Dans le bus, l'ambiance était calme jusqu'à notre arrivée devant l'établissement. Le sergent-chef Luis Ortega nous expliqua brièvement l'histoire de l'école des troupes aéroportées. Il précisa que notre entraînement se ferait à l'extérieur. 5 jours avant le saut, premier entraînement intensif, savoir se placer en position. Chacun à notre tour, nous faisions notre exercice en cadence. Le sergent Ortega nous observait d'un œil dubitatif. Certains d'entre nous se montraient très fiers de leurs exploits. Néanmoins, le sergent-chef Ortega les invita à plus d'humilité. « Ne vous réjouissez pas trop vite, vous avez encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir effectuer ce saut en parachute tant attendu. » Puis il nous proposa un entraînement pour se poser en douceur sur la terre ferme avec notre parachute. Nous devions simplement respecter quelques consignes de sécurité pour protéger nos cervicales de toute blessure éventuelle. Pour éviter cela, avant de poser les pieds au sol, nous devions serrer les jambes et rentrer la tête. Pendant ce temps, le sergent-chef Luis Ortega demanda à l'un de mes camarades de quitter le rang. Je ne compris pas tout de suite sa décision. Mon camarade m'en informa quelques minutes plus tard, lorsque je le retrouvai dans une chambre de l'école. Il avait écrit une lettre, expliquant qu'il ne se sentait pas à sa place et qu'il souhaitait partir. Sa décision venait d'être acceptée par le régiment. Je tentai de le convaincre qu'il était dommage qu'il ne veuille poursuivre son apprentissage. « Je me serais arrangé afin de me retrouver avec toi dans le même régiment. Nous aurions partagé de beaux moments ensemble, » lui répondis-je. Mes tentatives pour le convaincre de continuer avec nous restèrent vaines. Il voulait partir. »